Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un événement un peu spécial. En effet, je fais cette petite vidéo pour répondre et réagir à la vidéo qui a été postée il y a peu, donc la dernière vidéo commentée par Frenetic sur le gameplay de Will Paris sur Nocturne, donc celle de toute façon où j'aurais posté ce commentaire, dans lequel il fait mention de moi, donc sans ouvertement parler de moi. Donc je le rappelle, je suis donc le second éditeur qui, d'après vos mots, hein, je le dis bien, soit parti lâchement, sans aucune raison, pour ne pas vous abaisser à mon niveau. Donc déjà, j'apprécie grandement le remerciement que vous me faites pour tout le travail que j'ai apporté à cette team. Franchement, ça fait chaud au cœur, les mecs, comment vous me soutenez et comment vous avez respecté mon choix. Donc bien entendu, pour ceux qui n'auraient pas compris, comme tu dis dans la vidéo, c'est ironique. Donc franchement, les mecs, c'est complètement dégueulasse, je le dis honnêtement. J'ai fait toutes les images qui sont en ce moment défilées sur la vidéo, donc c'est-à-dire tous les logos, l'avatar de la chaîne, le background, l'intro. Donc j'ai fait mon travail de GFX en somme. Donc je pars pour mes raisons comme DJ, comme celui d'avant où il avait le droit à une vidéo remerciement. Donc je pars et je n'ai même plus le droit d'être dans le Hall of Fame, donc je ne comprends rien. Je me fais carrément traîner dans la boue, alors que j'ai expliqué même mes raisons tout simplement. Parce que sur cette chaîne, je n'avais pas ce que je recherchais, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un speed artiste, un graphiste et un petit éditeur, éventuellement un éditeur pour les montages ou les épisodes, mais c'est pas ma fonction première. Il faut savoir aussi que je recherchais le fait de pouvoir commenter, car je suis aussi un commentateur qui s'intéresse à toute forme de jeux vidéo, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne ainsi que mes speedarts, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc même si vous pouvez le voir, ça vous fait plaisir, mais on n'est pas là pour ça. Donc j'aimerais aussi dire que je ne pouvais pas poster mes vidéos. En effet, Mythique, qui dans l'histoire par contre, franchement, respect à lui, car il a bien respecté mon choix et on s'est mis d'accord. Il s'est dit, ok, bon, je comprends, tu sais pas ce que tu cherches, donc tu peux t'en aller. Enfin, vraiment aucun problème, aucun souci avec lui. C'est plutôt avec les autres membres de la team, même si Pyrogamer et Mascade sont en dehors de ça, hein, ne les jugez pas. Mais par contre, Frénétique, quoi, c'est inacceptable, tout simplement intolérable. Ça m'a beaucoup touché que vous fassiez ça, dans le mauvais sens du terme, évidemment. Puisque je pouvais donc j'avais mes raisons, je les ai postées sur un commentaire sur la chaîne, je sais pas s'il était de là ou quoi, où je m'expliquais assez longtemps sur le fait que je pouvais pas sortir de vidéo, que ça embêtait, parce que c'est la seule façon à moi de communiquer sur enfin pour les abonnés du Wildland tout simplement. Et donc je pensais que ceci avait été clair, avait été réglé avec Mythique, et là j'apprends en regardant une vidéo sur laquelle je tombe par hasard, que je pense pas la regarder, mais c'est un de mes amis qui m'a dit, t'as vu, il parle de toi, il t'insulte et tout, regarde là et vois ce que tu peux faire. Donc oui, donc je vais faire ça, je vais réagir, je vais peut-être m'abaisser à un niveau complètement con, mais au moins je vais vous montrer que ça ne se fait pas. Sachez pour ceux qui sont en dehors de l'histoire, qui ne me connaissent pas, que je respecte votre choix de regarder cette team un peu de clampin. Oui, je vous insulte complètement, car il faut bien le dire en face, vous n'êtes pas vraiment actif. Vos 1400 abonnés, c'est un peu bizarre quand même, hein, je veux rien dire, mais votre HD, ce n'est pas de la HD. On dirait effectivement, comme l'a fait remarquer très justement un de mes abonnés et un de mes amis, que vous filmez votre télévision, ce n'est donc pas du HD, les formats sont médiocres. Enfin, soit, ça c'était un peu la partie technique, je sais que c'est difficile de trouver un éditeur, mais quand vous en avez un et un GFX, essayez un peu de les respecter. Voilà, merci, au revoir, c'était Toys.